le mode Songplay. Passons au mode Songplay. Le Korg PA300 peut jouer plusieurs types de fichiers. Les fichiers MIDI standard, les fichiers MIDI karaoké et même les fichiers MP3. De plus, il a été conçu pour pouvoir intégrer facilement ces fichiers dans vos performances d'une manière utile et flexible. Les fichiers sont lus directement à partir de la mémoire interne ou d'un support inséré dans le port USB host du PA300. Comme précisé au début de cette vidéo, si vous souhaitez participer à l'exercice qui suit, vous aurez besoin d'une clé USB comprenant un fichier MIDI, un fichier MIDI karaoké et un fichier MP3. Insérez votre clé dans le port USB host situé au dos de l'instrument. Touchez la zone player sur l'écran, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez y sélectionner la chanson de votre choix. Actuellement, c'est le disque dur interne qui est affiché, alors touchez à cet endroit pour passer sur la clé USB que nous venons d'insérer. Touchez le nom de l'un des fichiers MIDI. S'il y a plusieurs fichiers, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour vous déplacer de haut en bas ou bien toucher l'un des fichiers et utiliser la molette. Une fois la chanson sélectionnée sur l'écran, touchez Select, puis appuyez sur Start. Le chargement et la lecture de la chanson s'opèrent simultanément. Elle démarre donc immédiatement. Appuyez sur Stop. Examinons les autres contrôles de transport. M sur l'écran veut dire mesure et affiche le numéro de la mesure actuelle de la chanson. En appuyant sur Start, la chanson reprend là où nous l'avons arrêtée. Les boutons Ending 1, 2 et 3 sont utilisés pour des contrôles de transport additionnels en mode Songplay et en mode séquenceur. En appuyant sur le bouton Rewind, la chanson revient en arrière mesure par mesure, et avec le bouton Fast Forward, elle avance mesure par mesure. Pour avancer ou reculer rapidement, maintenez le bouton correspondant enfoncé. Ce bouton remet la chanson à la première mesure, et ces trois boutons peuvent être utilisés aussi pendant que la chanson joue. Il y a plusieurs façons de modifier le tempo d'une chanson. Ceci est vrai aussi pour un style. Vous pouvez toucher deux fois le tempo qui est affiché et utiliser le clavier numérique qui apparaît pour entrer le tempo voulu. Vous pouvez aussi maintenir le bouton Shift enfoncé et utiliser la molette. Ou bien utiliser les boutons dédiés Tempo Up, Down. Vous remarquerez le bouton Lock à côté des boutons Tempo Up, Down. En l'appuyant, la valeur du tempo sera verrouillée et ne changera pas lorsque vous changez la chanson ou le style. Tap Tempo, que nous avons utilisé dans le chapitre Style, ne peut être utilisé que pour régler le tempo des styles. Le PA300 a plusieurs outils pour interagir avec une chanson. Vous pouvez par exemple accompagner une chanson ou sélectionner rapidement l'une des performances à utiliser. Certains fichiers MIDI intègrent des paroles, comme par exemple les fichiers avec l'extension .car. Choisissons un fichier .car pour le Song Player. Appuyez sur le bouton Song du groupe de boutons Sélection, puis appuyez sur Start. Pour afficher les paroles, appuyez sur le bouton Lyrics Score situé au-dessus du bouton Split. Les paroles suivent la musique. Par ailleurs, le PA300 peut même afficher le format graphique ainsi que des paroles intégrées dans des MP3. S'il n'y a pas de paroles, vous avez les possibilités de les avoir dans un fichier texte et d'utiliser une pédale ou l'écran pour faire avancer les pages de texte. Tout ceci sera expliqué dans le chapitre Songbook. Appuyez encore sur le bouton Lyrics Score afin d'afficher la partition de la piste sélectionnée. Appuyez sur Exit, puis Stop. Comme nous l'avons vu précédemment, les fichiers MP3 peuvent être également lus en mode Songplay. Sélectionnez un fichier MP3 de la même façon qu'un fichier MIDI. Appuyez sur Start. La lecture de fichiers MP3 sur le PA300 s'avère d'une grande flexibilité. Bien sûr, vous pouvez rapidement choisir une performance pour accompagner ce MP3, mais il y a beaucoup plus. Par exemple, vous pouvez transposer la chanson. Ou bien modifier son tempo. S'il y a des paroles intégrées, vous pouvez les afficher en appuyant sur le bouton Lyrics Score.
Le contrôle d'un MP3 vous permet de prendre une chanson, d'en ajuster la tonalité qui convient à votre voix et de la chanter en suivant les paroles affichées sur l'écran. Vous pouvez ainsi interpréter n'importe quelle chanson. Le PA300 est d'une puissance incroyable.